Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo colis et cette fois-ci deux colis qui sont suffisamment petits pour rentrer dans l'angle de la caméra et j'adore cette ce, cette boîte qui a été utilisée pour faire le colis, c'est une boîte de whiskas tout simplement, c'est magnifique. Alors j'ai ouvert la boîte tout simplement pour pas qu'on puisse voir l'adresse. Alors ce colis vient de quelqu'un que j'appellerai Nico tout bêtement. Donc euh, il m'envoie une petite lettre dessus. Alors euh, c'est quelque chose je, je connais une partie de ce que contient ce colis, c'est cette chose-là que je lui avais envoyé pour euh, qu'ils puissent le tester à long terme. Du coup, je laisse faire quelqu'un d'autre comme ça, ça me laisse un peu de temps pour faire autre chose, tout bêtement. Alors, euh, donc, euh, le revoilà. Ne pas ouvrir la boîte à montrer dans une autre vidéo. Il y a marqué, en effet, je compte faire une vidéo complète euh, sur euh, l'état dans lequel est revenu ce téléphone. Je vous laisse la surprise d'ailleurs, mais je tiens à vous dire que justement, la surprise n'est pas grande. C'est tout bêtement que ça confirme plus ou moins ce que je pensais depuis toujours à propos de ces téléphones no name, surtout les petites marques. Donc, on connaît rien, et maintenant, je sais que c'est en train de se globaliser à l'intégralité des smartphones chinois, deux petites marques qu'on ne connaît pas trop, c'est que vraiment la solidité de ces trucs-là est médiocre parce qu'il en a... Enfin, il s'est très très bien... Euh, enfin, il, il s'est bien occupé de ce téléphone, et on ne sait pas pourquoi il est devenu comme ça. Donc tu trouveras aussi un tas de conneries que j'ai trouvées un peu partout, et un morceau de carte-mère de LG Optimus L5, trouvé comme ça dans la rue. Oui, je suppose que c'est quelqu'un que, qui a été tellement énervé par le téléphone qu'il a fini par terre écrabouillé. Ça, ça c'est un petit peu ce que devient un petit peu tous les LG Optimus L5, L7 et L9 que des téléphones avec un firmware tellement mauvais, et puis même un hardware pas terrible, qu'ils finissent un petit peu tous comme ça. Et il y a aussi un iPhone 5S sous iOS 6. Et comme il dit, impossible mais vrai, car le premier iPhone 5S était sous iOS 7.0.1, ou plutôt, enfin, il a inauguré 7.0, quoi. Et donc euh, oui, euh, est-ce que c'est un vrai, est-ce que c'est un faux, on verra ça. Et aussi la batterie d'un Alcatel ré résistif qui m'avait envoyé une, une, dans une autre vidéo colis. Hein. Donc euh, qu'est-ce que c'est que ça C'est la première chose que je vois, une petite euh, lentille. Ok, Et je sais pas ce que ce que c'est exactement que cette chose là. Ça sert à quoi Et nous en avons deux. <laughs> je mince, <laughs> je me gourde de de côté. Donc je, je sais pas du tout à quoi ça sert. Alors... Euh... Non, je sais pas du tout à quoi ça correspond, et nous en avons deux, donc c'est peut-être pour des jumelles, c'est peut-être pour. Aucune idée Donc ensuite, dans ce petit bout de papier, nous avons. Qu'est-ce que c'est Un UMD Nous avons... Mod Nation Racer pour la PSP Oh bah c'est génial je ressors direct la PSP qui m'a envoyé la dernière fois, parce que oui, c'est lui qui m'a envoyé la PSP. Je me rappelle plus comment ça souffle, ce truc. Ah oui, il me semble que c'est juste tout con, en fait. Ça, ça, ça m'étonne toujours à quel point l'ouverture de, de, du, de, du truc du MD de la PSP est, est nulle, quoi, en fait. Donc, dans quel sens ça se met déjà? Putain, ça fait un millier d'années que, que j'ai pas touché à ça, moi. Putain, mais comment ça marche déjà? Vous savez quoi? Je viens de penser à un truc. Ça aurait été bien que Sony mette quelque part la, la, le sens dans lequel on doit mettre l'UMD. Donc, euh, si je dis pas de, de, de bêtises, c'est comme ça. Voilà. Oui, bon, bah, voilà. Bon. Ça fait un jeu pour cette machine parce que justement, j'en ai pas du tout. J'ai pas encore pris le temps, justement, de, de, de la réparer. Enfin, non, allez. Il me semble qu'elle fonctionne d'ailleurs. Il pensait qu'elle marchait pas. Mais au final, il me semble qu'elle fonctionne. Donc, euh, hop, nous avons quoi? Ah, la batterie du Alcaltel, euh, je sais plus quoi, là, le, le, truc tactile résistif à deux balles, euh, un petit capot. Qui correspond à ça, peut-être? Ouais, je suppose, en effet. Euh, c'est quoi? C'est un Sudoku électronique, je suppose? Waouh. Ça, bon, bah, je comprends pourquoi il l'avait mis de côté, parce qu'a priori, il faut visser le capot pour qu'il tienne. Donc, Sudoku Challenger. Bon, ok, bah, je vais mettre ça dans le, dans le tas de, de consoles foireuses qui peuvent être amusantes. Purée, ça, ça pèse 2 grammes. Mais, oh, putain. <laughs> lol qu'est-ce que c'est que ce truc oh là 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 donc nous avons l'iPhone joujou de chez Ajax donc qu'est-ce que ça donne oh, wow. oh c'est magnifique alors nous n'avons pas plusieurs interactions hein. nous, nous, nous avons qu'un seul bouton a priori putain qu'est-ce que c'est horrible D'ailleurs, je sais pas comment ce genre de jouets euh, peuvent passer. D'ailleurs, un truc qui était drôle, c'est qu'un jouet comme ça, ça putain, celui-là, il est vraiment horrible, hein, d'ailleurs, il y en a des mieux foutus que ça, encore. Bon, vous, vous comprendrez que, bon, euh, enfin, dans le genre mieux foutu que ça, je veux dire, c'est que celui-là, il fait vraiment euh, pas du tout euh, vrai, quoi. Mais il y en a qui sont drôles, parce qu'ils ont pris une capture d'écran sur euh, Google, pour faire ce genre de jouet. sauf qu'on voit encore la watermark de l'endroit où ils ont piqué l'image, et pire encore, pire encore, c'est une Image, une capture d'écran de d'iOS mais gel quoi. Ce qui est particulièrement drôle pour un jouet, tu sais, même les jouets sont gel maintenant. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet autre truc Oh Qu'est-ce que c'est que ça Donc, 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 sortons-le sortons de là-dedans. Putain, si j'y arrive. Bon Voilà Alors, qu'est-ce que c'est que ça Putain, ça prend de la place en plus c'est du PCI, euh, mini PCI pour ordinateur portable, et bizarrement, bizarrement, ça contient des ports euh, Serialata. Donc je suppose que c'est fait pour les mini-PC qui utilisent euh, le mini-PCI, parce que ça, ça rentrera pas dans la plupart des PC portables, voire même ça rentrera jamais. Par contre, ça peut rentrer dans l'ordine boîte, j'y pense. Donc euh, pourquoi pas, ça permettrait de mettre le cerealata à l'ordine à boîte. Bon j'ai mis un radiateur sur un composant qui chauffait beaucoup trop, qui était juste au-dessus du mini PCI, donc euh, c'est un peu gênant de l'enlever, mais bon, on va voir. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans Donc euh, hop hop hop, je vois qu'il y a plus de choses que je le pensais. Donc qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça ah, Galaxy S2, bah c'est génial. J'ai besoin d'une pièce de Galaxy S2 en plus. Euh, J'ai le, le port USB qui ne marche plus. Il y a des, des, comment on appelle ça il y, a, il y a une sorte de puce ici là, qui se trouve vers cet endroit-là, au niveau du, de la petite carte qui contient le le, PC, le, 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 le micro USB. À l'intérieur, il y a une petite puce qui détecte si on a branché un accessoire dessus, si on a branché euh, un PC dessus, ou si on a branché un chargeur dessus. Et cette puce là, elle marche plus sur ma carte, sur mon Galaxy S2. Donc du coup il pense en permanence qu'il est branché, ce qui veut dire qu'il active jamais les fonctions d'économie d'énergie du Galaxy S2, enfin du processeur. Donc, il se décharge écran éteint en 12 heures, ce qui est absolument génial. Alors que si, bien entendu, on débranche l'intégralité de la carte, mais après on n'a plus de micro USB, donc on ne peut plus recharger le téléphone. Si on enlève l'intégralité de la carte, d'ailleurs, il me semble... En fait, je dis ça, mais il me semble que c'est un euh, Galaxy S2 sans la carte. <laughs> Troll. Bon, bref, qu'est-ce que je voulais dire euh, euh, Bon, oui, enfin, peu importe, qui est la carte ou pas, il faudra que j'en achète une sur eBay du coup. Et j'ai un deuxième Galaxy S2 avec le même problème. Bon, d'accord. Donc je disais, oui, pour reparler de mon Galaxy S2 à moi. Donc. Cette petite puce, il faut que je la remplace. Enfin, il faut que je remplace toute cette carte. Parce que si je débranche la carte en elle-même et que je fais en sorte qu'il ait plus du tout de, de port USB dessus, là, le téléphone fonctionne parfaitement bien. Donc c'est juste cette petite puce qui est emmerdante. Et si on met juste... Bah voilà, si, si on se débrouille. Bon bref, l'écran est cassé, c'est tout. Bah voilà, il me semble qu'il marche, sinon à part ça. Si je me souviens bien de ce qu'il m'a raconté, il y a très, déjà un petit moment. Donc je sais pas ce qu'il y a là-dedans. J'en sais rien du tout. Donc, un écran de d'iPhone. D'accord. Bon, bah pourquoi pas, hein. Un écran d'iPhone. D'iPhone d'iPhone, lequel. D'iPhone 5, en fait, peut-être. Il me semble que c'est un écran d'iPhone 5, si je remarque bien le placement de, de tout ça, mais je suis pas certain. Hein. J'en suis pas certain du tout. Sans le reste, c'est difficile à voir. Je ne sais pas du tout d'où ça sort. Ça se trouve ça sort d'une contrefaçon, hein. Aucune idée. Donc là nous avons quoi Ah, la fameuse carte mère donc euh, ça c'est une carte mère d'Optimus L5 a priori, me dit-il si c'est bien celle-là, parce qu'il y a peut-être un, un autre truc vu que je vois qu'il y a un dernier pochon que je n'ai pas ouvert. Hop, hop, hop. Ah tiens, et nous avons à 486. Avec son, euh, son, son. son espèce de support pour pas tordre l'épine. Bon, alors ça, c'est vraiment énorme. Ça c'est vraiment excellent. Hein. Alors là, franchement, je, je. je suis sur le cul parce que j'avais jamais vu ce genre de truc, en fait. Cette espèce de support, là... Voilà, bon bah parfait pour parfait pour la collection en fait directement avec son support. Euh, c'est un, un 33 MHz, a priori. Oui, si je dis pas de bêtises, c'est un 486DX 33 MHz. Donc c'est un modèle assez peu performant par rapport à l'autre que l'on a vu dans une autre vidéo. Mais c'est pas grave de toute façon parce que s'en fiche. Hein. C'est pas fait pour les performances ces trucs là. De toute façon, si on recherche des performances de nos jours, donc la carte mère. Revenons à cette carte mère. Euh, C'est un Qualcomm MSM 7225A. Putain, chez LG ils ont vraiment pris le plus bas de gamme de tous les Qualcomm qui pouvaient faire tourner Android 4.0. Hein. Vraiment, ils n'ont pas voulu mettre un tout petit peu plus et prendre le 7227 qui était déjà mauvais. Non, 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 ils ont décidé de prendre le 7225 qui est encore pire. Bon, ben d'accord. Pourquoi pas. Merci, euh, merci LG. Hein. Ben, euh, oui, si ça se trouve, la carte mère marche encore, d'ailleurs. Gardons-la dans un coin, ça peut toujours servir. Si quelqu'un m'envoie un jour un Optimus L5 avec une carte mère en panne, ça peut faire le job. Donc, 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 euh, sortons tout ce qu'il y a là-dedans. Je vois qu'il y a des piles. Peut-être avec un peu de chance qu'on pourra tester ça. Ah, bon, il y a quatre piles et il y a deux piles à mettre là-dedans. Donc, euh, tant mieux. Il y a plusieurs configurations à tester jusqu'à ce que ça marche. C'est des piles alcalines de chez, de chez, de chez. Où c'est que c'est marqué? Y'a rien marqué sur celle-là Putain un pile alcaline super. Euh, su super ultra. Euh, générique. Et l'autre, c'est de Clartech. Ok. Voyons si ce truc... Oula oh Ce truc démarre. Putain, on va rien y voir sur l'écran. Si on arrive à y voir relativement correctement. Euh, là là, je sais même pas comment ça fonctionne. Bon, tout le monde sait ce que c'est que le sudoku. Est-ce que c'est vraiment intéressant <laughs> Non, je vais mettre ça de côté. Et on verra si un jour je suis, euh, comment dire, d'attaque pour euh, faire une vidéo sur un truc pareil. Et voici la deuxième petite boîte avec euh, du papier aussi. Alors qu'est-ce que nous dit cette lettre Alors, salut Electronic Art, je t'envoie ces babioles qui sortent euh, du grenier dont je n'ai aucune utilité. Il y a, et là il y a la liste des trucs, donc je vais pas la lire, histoire de... ...de ne pas me spoiler, et ensuite, euh, j'espère que mon colis fera l'objet d'une vidéo, et bonne chance dans l'avenir Ryan, c'est signé Ryan, donc... Merci, 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 mais oui, toutes les, tous les colis que je reçois font l'objet d'une vidéo, hein. Donc, euh, qu'est-ce que nous avons à part des bulles Nous avons ceci, qu'est-ce que c'est Une barrette de rame, je suppose, vu la forme... Donc, euh, hop, hop, oui, oh, c'est marqué <laughs> Désolé, si vous l'aviez vu à la caméra avant que je le vois moi-même euh, j'ai eu l'air d'un abruti pendant une milliardia... Bon non, en fait, comme d'habitude, j'ai l'air d'un abruti en permanence, donc ça change rien. Donc une barrette de 256 MO de, 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 de SD RAM, hein, tout bêtement. 2 SD RAM, PC 133K Latency 3, donc euh, bon c'est. C'est du standard en fin de compte pour les vieux PC. 256 MO de RAM c'est pas mal, ça peut permettre de d'upgrader un vieux PC vu que on trouve beaucoup de PC qui ont souvent des barrettes comme ça de seulement 32 MO, des trucs de ce genre. Et donc du coup, ça peut être pas mal comme ça pour euh, pour mettre à jour ce genre de truc. Euh, ça c'est un câble qui est vraiment bizarre au niveau des couleurs. Vous voyez, c'est une sorte de câble RCA, mais il a un câble bleu et un câble blanc. Donc euh, bon, je sais pas très trop quelle est l'utilité d'avoir un code couleur aussi bizarre, mais à la limite ça peut différencier par exemple sur une chaîne e fille, euh, un set de haut-parleurs d'un deuxième set de haut-parleurs, à la limite sur un kit 5 points ou des trucs de ce genre par exemple, on peut comme ça euh, moins se, se se enfin se tromper entre les câbles ou ce genre de trucs peut-être. Si on en achète un qui a euh, les couleurs normales, c'est-à-dire blanc et rouge et l'autre qui est bleu et blanc, à la limite peut-être que ça peut servir à ça. Un radiateur que l'on pouvait trouver sur des Carte mère sur le North Bridge, par exemple, ça c'était. Je reconnais ce genre de truc. Euh, je crois que Asus utilisait exactement ce genre de choses avec le trou au milieu, comme ça. Euh, MSI aussi, peut-être. En tout cas, ça me dit quelque chose dans les vieilles cartes mères époque Pentium 4. Donc, euh, nous avons un câble IDE parallélata, mais un petit petit. Hein. Ils ont vraiment décidé d'aller à l'économie sur la longueur. Hein. Nous avons ensuite un petit haut-parleur avec une prise. Bon. Euh, nous avons ensuite euh, le processeur, donc qu'est-ce que c'est ce processeur C'est un Pentium 4 2,8 GHz et cette fois-ci comme il n'est pas dans l'emballage en plastique avec plein de reflets, j'arrive à voir mieux que vous <laughs> ce qu'il y a marqué dessus, ou en tout cas au moins aussi bien, parce que la dernière fois j'avais dit qu'un processeur c'était un Pentium 4 qui était genre 3,2 GHz ou je sais pas quoi et j'avais cru voir qu'il avait marqué 2,0 ou un truc de ce genre alors que c'était pas le cas une cassette audio alors euh, ça va me permettre de parler un petit peu des cassettes audio donc euh, vous vous rappelez peut-être pas de ce genre de truc si c'est pas votre génération mais les cassettes audio sont assez sympathiques on peut les mettre dans les deux sens et chaque sens contient en fait la moitié de, de la bande et la moitié de la bande correspond en fin de compte à, à ce que peut être lu par la tête de lecture quoi et il y a des systèmes auto reverse qui renvoient la bande dans la, dans le deuxième sens sans avoir besoin de pouvoir tourner la cassette dès qu'on arrive à la fin. Donc euh, si vous savez pas ça, bah maintenant vous le savez peut-être un petit peu. Donc il euh, y a deux têtes de lecture sur ceux qui sont autoréverses et qui alternent, une qui est centrée vers le haut, et une qui est décentrée un petit peu plus vers le bas pour faire en sorte de lire l'une ou l'autre des deux parties. De cette nappe, enfin de cette bande magnétique. Et qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça Oui, et un truc par contre, ça vous le savez sûrement, hein, les cassettes audio et tout ça, bon, c'est quelque chose qu'à mon avis, on doit connaître, même si on n'en a jamais utilisé, qu'on qu 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 est de la nouvelle génération et tout ça, et qu'on n'a jamais utilisé une cassette audio. On connaît peut-être comment ça marche, on connaît peut-être l'apparence que ça a, etc. Mais savez-vous que ça a été utilisé pendant très longtemps, avant les disquettes, comme étant un support pour contenir des programmes. Car oui, à une époque, et c'était un lecteur audio classique qu'on utilisait pour certains ordinateurs, c'était même pas un lecteur modifié, on mettait ça dans un lecteur, on branchait le lecteur avec une prise spéciale sur l'ordinateur, on, on rembobinait la cassette, on envoyait la cassette, on faisait play, et genre 10 minutes plus tard, on pouvait enfin lancer son programme, enfin c'était magnifique, les premiers Amstrad CPC justement, utilisaient des cassettes plutôt que des disquettes, et ensuite on pouvait utiliser les deux, mais bien entendu les disquettes ont remplacé tellement euh, avantageusement et tellement rapidement tout ça, parce que les disquettes c'est quasi instantané à côté de ça, donc, oh là, un ventilateur qui va direct à la poubelle, parce que, enfin non, je vais récupérer le fil, parce que ça peut toujours servir, parce qu'il manque une, une pâle, et s'il manque une pâle, ça va vous vibrer dans tous les sens, à la limite on peut s'en servir comme vibreur, ça peut servir pour, pour, je plaisante, mais ça peut être une, une utilité si quelqu'un... Euh, cherche un moyen de, de faire quelque chose qui vibre dans tous les sens, qui bouge dans tous les sens et tout ça. Oh bah tiens, je parlais justement des, des lecteurs de cassettes en tant que support de stockage pour les ordinateurs de l'époque. Nous avons ce qui l'a remplacé justement, la, le lecteur de disquette. Sauf qu'il y a eu bien entendu des formats de, de lecteurs de disquettes et de disquettes bien sûr qui était beaucoup, beaucoup moins compact que cela avant que sorte ce type de disquette. Ça c'est la dernière génération de disquettes, c'est celles qui sont les plus connues. D'ailleurs, ça va beaucoup me servir, ça, parce que je suis toujours en manque d'un lecteur de disquettes qui marche bien. À chaque fois que j'en cherche un, etc., il marche, il déconne en fait. Donc euh, bon, bah, il y a des chances que ça me fasse un lecteur de disquette qui marche, ou en tout cas qui soit facilement réparable. Et voilà tout pour ce deuxième colis. Donc euh, bon, bah voilà, la vidéo est finie. Il n'y avait pas grand-chose de particulièrement inédit dans ce colis, étant donné qu'il y avait des trucs qu'on avait déjà vus. Euh, mais c'est pas grave de toute façon. Il y a toujours des, des trucs qui peuvent être sympas à rappeler, comme par exemple, oui, ça, ça existait, un gros processeur céramique tout carré fait par Intel, qui, ben, ben c'est marqué dessus, hein, il y a marqué 1989, c'est vachement vieux comme truc, euh, enfin, vachement vieux. Dans le genre euh, informatique, c'est vieux, parce que l'informatique, ça a tendance à... Enfin, en tout cas, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que d'ici quelques temps, ça avancera beaucoup moins vite, un petit peu comme les lecteurs de CD ou des trucs comme ça, les CD musicaux, euh, eh bien, ça n'a pas beaucoup évolué depuis les années 90, mais voilà voilà, peut-être qu'un de ces jours l'informatique n'avancera plus, mais à l'heure d'aujourd'hui l'informatique avance tellement vite que 10 ans en informatique c'est équivalent à presque à presque 20 ans ou plus encore dans n'importe dans quel autre domaine, oh là là, je sais pas, je dis 20 ans, mais c'est très certainement largement plus. Donc euh, voilà voilà, et ben c'est tout, <laughs> j'ai plus qu'à vous dire, salut à tous et à la prochaine